Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matos, un test de matos bien particulier, parce que là je suis en train de gainer à mort pour tenir ces beaux spécimens de guitare électrique. J'ai donc dans ma main droite le modèle le Klepto de chez KMG, donc équipé du A-Stone System, rendant la guitare un petit peu plus juste. C'est la promesse de Manu Bigoud, le luthier, donc qui fabrique ce chouette instrument. Et dans ma main gauche, une California Master, fabriqué par Tony Géraud à Évreux. Une guitare qui, à mes oreilles, sonne aussi plutôt juste. Donc, je vais essayer de faire des choses à peu près similaires sur l'une et sur l'autre. Comme ça, vous pourrez juger à l'autre bout de l'internet chez vous, avec votre système de son, votre système, vos casques, etc. J'espère que vous écoutez pas ça sur votre petit iPhone ou je sais pas trop, avec vos petits AirPods, tout pourri là, mais sur un système de son qui est correct pour bien sentir toutes les substances, la substantifique moelle du son. Donc, ce sont deux guitares relativement similaires puisque ce sont donc deux guitares électriques, deux guitares à manches vissées. Elles sont toutes les deux équipées de micros P90. Alors, dans un cas, ce sont les micros de Tony Giraud, dans l'autre cas, ce sont les micros Krell Pickup. Et donc, trêve de blabla, je me propose donc de faire ce petit test qui n'est absolument pas scientifique et de les comparer tous les deux, et on se retrouve de l'autre côté du test pour que je partage avec vous mes impressions. Allez, on fait du son. J'ai fait ce choix de ce mi mineur à plusieurs endroits sur le manche, tout simplement parce que quand j'ai reçu Jean-Marie Ecaille pour parler chiffon au début de l'été, il était venu avec sa Yamaha Pacifica, donc retouché avec le A-Stone System. Il me disait « Ah écoute, regarde, tu vois quand je fais un... » Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.